C'est joli! Wouh! Oh, bah, oh, Alberta! Non, oh, il est déjà! Wouh! On est déjà en Alberta, les paysages sont super beaux. C'est magnifique, ma chérie! On a eu un super coach surfing hier. C'était génial! On a bien rigolé. On était chez Louis, c'était trop cool. On a fait une bonne soirée avec lui, il nous a fait un super bon repas. Oui, parce qu'il est cuisinier. Parce qu'il est cuisinier et sommelier, donc on a super bien mangé, c'est génial. Et après, on a joué au dominos parce qu'il est mexicano et son papa lui a appris à super bien jouer au domino. Du coup, on a rejoué au domino. On n'avait pas joué à ça depuis. J'ai jamais joué. T'as jamais joué? Non. Même un peu quand t'étais petit? Non, mais j'ai gagné deux fois. Dans mon équipe une fois quand même. Et on a redécouvert que c'était super cool en fait. Donc on s'achètera peut-être une petite boîte de domino. Ouais, c'est sympa. Et là, on va dans les Rocheuses. C'était quoi ça? Dans les Rocheuses. Et là, on va dans les Rocheuses. Dans les Rocheuses. J'ai oh vite crié. Mais je peux pas skier. Oh my god, look at this view. What do you think about it? Focus. Oh, ça donne tellement envie de skier, bordel. Focus. Oh my god, c'est magnifique. C'est magnifique et j'ai pas fini de dire wouh et j'ai pas fini de dire oh my god. Pas mal, donc on s'est dit qu'on va plutôt faire des activités à Banff aujourd'hui et demain ou après-demain éventuellement vu qu'il sera un peu plus beau. Après-demain ce sera plus dégagé, on se fera la tournée des lacs pour pouvoir les voir parce que là il neige à fond. C'est beau quand même hein, mais c'est trop beau quoi, c'est carrément féerique. Et en plus la neige vous avez quand même un peu manqué. C'est vrai. Franchement, ça m'avait manqué. La neige à 0 degré. Hein. Ouais, là c'est génial, pas la neige à moins 3. Franchement, c'est trop beau, c'est magnifique là où on est. Et on a hâte que ça se dégage un tout petit peu pour voir les montagnes qui sont tout en haut. Mais en bas, un peu plus dans la vallée à Banff, il fait pas du tout le même temps. Donc c'est cool, on va pouvoir quand même bien profiter. Bon, et ben voilà. On dit à tout à l'heure. Sinon, c'est pas le choix. Oh, le gros fail. Bon, nous voilà repartis.
Donc la Google est là. Donc il y a le temps, pour l'instant, est toujours pas top, qui pleut un tout petit peu. On nous a proposé de faire un espèce de petit tour en voiture avec des points de vue assez sympas. Donc on va faire ça pour commencer. Et apparemment, il y a quelqu'un qui a vu un ours dans la région il y a pas longtemps. Alors on espère voir. C'était un passé genre aux news, c'était genre l'actualité du jour. Oui, parce que la fille a pu le filmer en fait. Elle a fait tout ce qu'il fallait pas avec un ours. Elle a réussi à survivre. Et en fait, elle l'a filmé à genre quelques mètres d'elle. Mètres. Et donc, du coup, apparemment, ils ont un grizzly qui se balade assez souvent dans le coin. C'est ça. Donc, on va partir à la chasse au grizzly. Ouais, donc, c'est parti pour notre petit tour en voiture. Enfin, petit tour, un grand tour. Et on va visiter tout le coin. On va monter à 2-3 points de vue cool. Et on vous montre tout ça en vidéo. Vous avez trop de chance. Même pas besoin de voyager, quoi. Putain, ça vous coûte pas cher à vous. Allez, feignons. Bah, je crois que ça valait le coup de faire 50 heures de bus pour pouvoir s'asseoir sur ce rocher. Tada!